À Londres, la police en alerte maximum ce dimanche au premier jour du carnaval de Notting Hill. Le début de 48 heures de festivités sous le signe de la culture caribéenne. Trois semaines après les violences qui ont secoué la capitale britannique, les autorités entendent bien éviter une deuxième vague d'émeutes. Notting Hill sera toujours là, c'est culturel, tout le monde vient s'amuser. J'ai pas senti de mauvaise ambiance et pour l'instant c'est génial. Cette année, un nombre record de policiers a été mobilisé. Plus de 5000 sont à pied d'œuvre ce dimanche. 6500 doivent suivre la grande parade de ce lundi, soit 500 de plus par jour que l'année dernière. Et en cas de problème, 4000 membres des forces de l'ordre sont déjà prêts à intervenir. Ils ont mis bien plus de policiers que d'habitude et c'est très bien pour nous. D'ici ce lundi, près d'un million de visiteurs sont attendus. Les policiers devraient patrouiller avec discrétion, par groupe de deux ou à vélo.